Je l'utilise depuis 3 semaines pour le travail, pour des balades, pour des voyages. KNF Concept m'a proposé de tester leur sac à dos de 20 litres. C'est le deuxième sac que je teste de la marque. Il est plus petit, plus compact et a des sérieux atouts. Aujourd'hui, je vous présente ses caractéristiques et les 3 éléments qui m'ont le plus convaincu. Allez, c'est parti! Bonjour les filmmakers, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et je vous présente le sac à dos 20 litres de KNF Concept. Il mesure 30 cm de large, 18 cm de profondeur et 44 cm de haut. Il a une capacité de charge de 21 kg. Le sac est en nylon de haute densité avec des coutures renforcées, autrement dit, c'est du solide. La conception ergonomique de l'arrière du sac améliore le flux d'air et répartit le poids uniformément. Ce que j'apprécie beaucoup, et c'est mon premier point positif, c'est le poids du sac à vide. Il pèse 1,4 kg, il est léger. Au quotidien et pour des petites balades photo, je n'ai pas besoin d'un sac renforcé avec une coque de protection. Le sac à dos 20 litres de KNF Concept répond parfaitement à mes besoins. Et en plus, il se fait très vite oublier une fois sur le dos. Et ça, c'est important. Globalement, le sac à dos est confortable. Il a de la mousse sur les lanières. Il est bien maintenu sur le haut du dos, même quand il est plein. La préparation d'un reportage photo ou d'un vlog passe par l'organisation du sac à dos. Globalement, on a besoin d'accéder rapidement à la caméra principale, aux batteries et aux fils. J'ai pour habitude de ranger les accessoires selon la fréquence d'usage. Je place les accessoires que je vais avoir besoin très souvent au niveau des accès rapides et pour les autres, dans les compartiments plus profonds dans le sac. Le sac à dos de KNF Concept est polyvalent comme beaucoup de sacs de cette catégorie. Il possède un accès latéral rapide qui permet d'atteindre facilement la caméra en portant le sac. Le compartiment de la partie haute du sac permet de mettre des filtres, un moniteur, des batteries NP970 et des cartes mémoire. Quand je tourne, j'ai très souvent besoin d'accéder à mon portable, à mes clés, à mes notes. Je mets tout ça souvent dans mes poches. Le problème, c'est que je passe mon temps à vider et remplir mes poches. Pour ne pas m'encombrer, le sac à dos possède une poche avant cachée et sécurisée. Elle me permet rapidement d'accéder à mon portable ou à mes clés. C'est le deuxième point positif qui m'a convaincu. C'est presque un détail, mais pour moi, ça fait la différence. Le sac peut s'accrocher sur une valise. Il est livré avec une housse de pluie étanche. Il possède un compartiment indépendant pour ordinateur portable de 16 pouces. Et on peut accrocher un trépied, un parapluie ou un manteau sur les sangles situés à l'avant du sac. Le dernier point qui m'a convaincu, c'est le style du sac. Je le trouve très classe. Je sais, c'est subjectif, mais il me plaît beaucoup. Et si vous n'êtes pas adepte du noir, il existe en bleu, en orange, en vert et en noir également. Le sac à dos coûte 119 € et je te le recommande. Il est léger, robuste et de qualité. J'apprécie sa polyvalence, les accès rapides et son bon niveau de sécurité. Il fait largement le job et c'est une valeur sûre. C'est un très bon sac et tu peux y aller les yeux fermés. J'espère que cette petite présentation te sera utile. En ce moment, je teste plusieurs matériels et j'ai hâte de t'en parler. N'hésite pas à laisser ton avis sur le produit, à laisser un pouce vers le haut si tu as apprécié la vidéo. Je suis Christophe Yobou, tu es sur ma chaîne Chris Filmmaker et je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao !